un étalon d'obstacle confirmé, commercial et déjà référent, mais encore jeune. Voici Balco au Haras du Lion en 2015. C'est un cheval déjà qui a marqué entre guillemets l'histoire d'Auteuil. Il a gagné le Congrès et avec sa qualité de 3 ans dans sa carrière, et bien lui-même produit des précoces. Son pédigré, fils de Pistolet Bleu, la mère par le Charter, une famille extrêmement vivante, parce que vous retrouvez Argentique, Oculi, Piraya, Tico. Ce cheval donc, est commercialisé à 3800 euros poulain vivant cette année. Il a saillé en 2014 84 juments, 71 juments pleines. Il a produit de nombreux black types et beaucoup de chevaux exportés en Angleterre et en Irlande. C'est-à-dire qu'il a quand même sa production est très appréciée. Dès sa première génération, née en seulement 2008, Balco a donné un classique d'Auteuil, Michto, deuxième du Congrès à 3 ans et gagnant de la Péricole à 4 ans. Depuis, Balco sort des vainqueurs tous azimuts partout et au plus haut niveau avec Gitane Duberlet, gagnante de groupe 3 en Irlande, ou Oxibo, lauréat de l'Istod à Cagnes-sur-Mer et la vedette anglo Orco sur l'hippodrome de Pau, ainsi qu'à l'automne 2014, Stormy Mood à Auteuil et Jeville, dauphine du prix Bournosienne, groupe 3. Il transmet des chevaux évidemment volontaires, lutteurs et qui progressent lors de leur carrière de course. On a pour preuve Jeville, qui n'a fait que monter entre chaque course. Cette pensionnaire de David Windriff sera sans doute l'une des meilleures pouliches de 4 ans à Auteuil pour 2015. Valeur commerciale, on l'a encore vu cette année sur des transactions à l'amiable, sur des yearlings des 2 ans et même des 3 ans à l'entraînement. Et pour preuve, on a eu des poulains même vendus en France 30 000 euros à Osarus, ici même au Lion d'Angers, en novembre dernier. Gagnant de groupe à Auteuil et père de gagnant de groupe en Europe, Balco fait la monte à 3 800 euros en 2015 au Haras du Lion.